petite croisière autour du monde. Bon voyage, mon fellow. Bon voyage, les gars. On soulage un peu. Deuxième quart de nuit, on vient d'opaner, on est reparti Tribord-Amur pour direction les Canaries. Était un peu énervé pour essayer de battre le record. Et les conditions météo, le vent nous a bien aidé, le routage nous a bien aidé, les nuages ne sont pas trop arrêtés, au contraire on a réussi à prendre des nuages qui nous ont bien poussé plutôt que de nous arrêter. Quels sont ces drôles de mecs qui peuvent supporter des conditions de vie et de bouffe pareil? Oh ouais, ce moule. Ça donne envie ça. Ryan, ça c'est bon ça. C'est vrai qu'avec une belle journée comme ça et au vu des conditions qui nous attendent dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, c'était vraiment la journée idéale pour faire une inspection complète du bateau. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à signaler, ce qui est vraiment une bonne chose. On est quand même très optimiste sur la suite des événements. On a une météo qui est plutôt favorable, qui va nous permettre d'allonger un peu plus la foulée dans les heures, voire les jours qui viennent. De particulier, tout en bon état, toujours aussi joli. Bon, ça y est, on est dans le sud. Là, on est entre 30 et on a eu jusqu'à 40 nœuds de vent tout à l'heure. Toujours des vitesses un peu indécentes. On a fait plus de 800 000 sur la dernière 24 heures. Hein, Yvan ? Affirmatif. Oh, c'est viril. Et on était en train de prendre un riz et il y a la galette Genecker, la mûre, qui a cassé. On va bientôt empanner pour éviter cette zone d'iceberg qui est devant nous, qui est très grande. Il va falloir remettre du nord dans notre route, on va rallonger notre route, c'est vrai, mais il vaut mieux ça que de rentrer dans des icebergs. Atelier bricolage, il fait nuit et les garçons sont en train de faire des strates successives pour réparer une petite déformation sur le mât.
Donc voilà la première peau pleine de carbone qui va être amenée par Kevin ici à Yvan, là-haut dans le mât. Ça, c'est l'Australie. Ça, c'est le Cap Lewin. Et nous venons de passer le Cap Lewin. Bon, c'est pas fini. On en est. On n'a pas encore fait la moitié, hein. Là, c'est costaud. Là, c'est du costaud. Oh, il y en a partout, là. Ah, il y en a partout. Ah, et là-bas. Ah, ouais, quand même. Quand même. Voilà le Cap Horn qui est à droite ici et on essaye d'éviter toute cette zone là. Et tous ces petits points, ce sont tous les icebergs. Là on voit l'Antarctique qui est ici. Nous nous sommes ici à peu près en train de passer le fameux B15 qui est gros à peu près comme Belle-Île en mer. Le voici, ça c'est les mouvements du B15 dans la dernière semaine. Et ça ce sont tous ces enfants. Et on devrait passer entre. En prenant le moindre risque possible, c'est pas simple, ça va pas être simple. Tout à l'heure, Manu, il en a croisé un juste au vent, un gros leurre. Il est passé à 5 mètres du flotteur au vent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a roulé, parce qu'il était à 30 nœuds. Il pensait que c'était de l'écu, mais non, c'était un gros leurre. Bon, allez, ça y est, vous êtes capordiers, les gars. Bravo! Bravo, les capordiers! On avait 3 jours d'avance, mais maintenant, c'est un peu moins avec les icebergs, avec le manque de vent dans le Pacifique. Donc, on n'a plus qu'une journée, quelques heures d'avance. Donc, on va réattaquer, bien entendu, dans des conditions théoriquement un peu plus calmes dans l'Atlantique, mais en faisant toujours attention à la machine. Nous avons un Père Noël à bord. Il va essayer le traîneau. Ah ouais. Regarde, un bel Opinel, édition spéciale. Là, ça fait plaisir. Grand soleil, plein nord, on engrange des milles. Alors, franchement, les lunettes de soleil à la place des gants, c'est bien. Ouais. Température de l'eau 15 degrés, température extérieure 15 degrés. Ce dernier coucher de soleil dans l'hémisphère sud, Jean-Bas. Dernier. Oui, c'est le dernier dans l'hémisphère sud. Il a raison, les années scotchées. Ah ouais. Au revoir l'hémisphère sud pour le soir, mes enfants, c'est vrai. Bienvenue dans le Nord, les gars. Un trésor, on espère bien qu'il y a un record au pied de cet arc-en-ciel. La prévision, c'est la nuit du 6, là, du vendredi 6 à janvier. On a fait un peu le grand tour
pour être sûr de prendre le prochain train, et le prochain train étant la prochaine dépression qui arrive. On est à un petit 14 minutes d'un empannage avec les moyens électroniques, c'est plus simple à savoir. Les garçons sont sur le pont, voilà tout en haut à gauche chez nous. Dans à peine 13 minutes, nous allons empanner et franchir sur l'autre amure, bâbord amure, cette ligne ici où il y a marqué Ouessant. Hey, qu'est-ce qu'on voit devant ? C'est Créache ! Ça fait plaisir de le revoir, le fameux phare. Ça fait 45 jours qu'on attend ça. Et quelques heures, le Jules Verne est à nous. What I am,